Eh bien, chers frères, nous sommes réunis ici pour un nouvel épisode des Aventuriers. Êtes-vous prêts? Non. Non? Non. Ok. C'est pas grave, commençons quand même. Jingle. Aujourd'hui, nous allons enfin nous débarrasser du système de stockage qui lag, que je ne sais pas pourquoi le mec du modpack continue de laisser juste ça comme système de stockage. Enfin, il y a d'autres trucs, mais c'est le seul truc qui permet d'accéder à distance et tout, quoi, combiné. Ou mais... sinon, tu devrais utiliser plein de drawers, quoi, ce serait un peu chiant. Un petit peu. Bah non, t'avais pas mis ici le drawer. Donc, non, ici, je l'avais pas mis, ouais. Et mettre désinstalle tout. Donc, on a installé un nouveau mod nous-mêmes, comme des grands. Voilà. Il s'appelle Refined Storage. Refined Storage. Refined Storage. Voilà. Parce que notre Advanced Storage machin, ça fait un peu laguer la vie à chaque fois. Bah, c'est les coffres en réalité qui font plus laguer, mais bon. Refined Storage, c'est comme Applied, donc on peut stocker dedans. Donc, c'est comme les disquettes d'Applied et tout. Mais hein. Voilà, c'est tout. C'est exactement ça. On a installé donc exactement Refined Storage. Refined Storage Add-ons qui nous permet d'avoir une télécommande en fin de compte qui nous permet de crafter en wireless. Et un autre mode qui s'appelle Refined Storage Infinite Wireless qui permet d'avoir une antenne Wi-Fi. Alors pas interdimension malheureusement, mais on aura la possibilité de faire de l'interdimension quand même. Mais qui permet d'accéder au stockage où on veut à partir du moment où c'est chunkloadé. Hein. Nous avons de la musique, nous avons du RAW, nous avons du ML, nous avons du fail, beaucoup de fail, trop de fail. Beaucoup. Et surtout, nous avons du... du chocolat. Du sushi. Mutez-le tout de suite. Suspense. Tout ça pour ça. Je suis d'accord, Edouard. Je suis d'accord. Je suis désolé de vous avoir déçu. I'm so sorry. Ok. Refined Storage. Installons-le. Très bien. Allons-y. Il va nous falloir beaucoup de quartz et beaucoup de fer. Il nous faut aussi tuer des wizards. Oui. Il nous faut Je pars dans le nether pour le quartz. Vous pouvez. Ok. Allez. ML va chercher du fer et moi je vais chercher des têtes. Fun fact, j'ai tué un wizard, il m'a donné un drop of evil. Donc, oh, putain. Donc j'ai de quoi ça faire. Va. Et il va me falloir des petits ventilateurs. 4 kilos de coke. Un câble électrique. Et ça devrait être bon. Oui. Je vais mettre la redstone pour allumer les ventilateurs, la terre, et puis drop evil, et puis c'est bon. Soit. Ça va envoyer du vent, littéralement. Et le vent, c'est délicieux. Ah oui, ça fait du bruit ces ventilateurs. Je peux désactiver le bruit? Dis-moi, Emel. Je peux désactiver le bruit des ventilateurs? Normalement oui, c'est un bouton dedans. Ah ok. Voilà. Problème solved. On va réallumer.
plus, okay, plus calme, hein. On peut le dire. Nous n'avons plus de, nous n'avons plus de fer. Ah. Ah. Comment on va... Ah, j'en avais dans mon truc, tiens, voilà. Comment on va faire ? Je t'en ai mis dans le truc, c'est bon. Merci. Voilà. Drop, ils veulent placer. Je veux du mob. Ça spawn, allez ! Donnez-moi votre tête ! Ah, il y a des gros... Il y a des gros slimes, par contre, c'est chiant, ça. Ça va. Il y a... C'est vrai qu'il y a les blazes qui peuvent cracher du feu aussi, c'est chiant, ça. Ça va. Bon, alors il faut que je fasse contre quelque chose contre les blazes qui spawnent, c'est chiant. Je pense que je dois ramener les mobs dans une autre zone où ils peuvent pas foutre le feu à la cursed earth. Parce que là, ils me l'ont tout cramé. Ah oui, c'est vrai que c'est chiant cette histoire de cursed earth qui brûle. Yop. Je sais même pas si... Non, j'ai pas eu de tête, mais en même temps, j'ai l'inventaire plein, donc aussi bien ça a droppé, je l'ai pas récupéré. Je vais mettre aussi un système de collecte de loot. Je vous fais laguer un petit peu, je mets dans le système de stockage. Oh oui, je vois ça, que ça lague. Ah oui, oui. De rien, de rien. Ça fait toujours un grand plaisir, tu vois. C'est appréciable. Ça marche bien! Faudra un petit truc pour récupérer les items. Je t'ai mis un deux stacks et 15 de fer, ML, pour commencer. Ah, c'est trop bon, merci. Ça lag. Je suis dans le stockage. Voilà, voilà pourquoi on fait cet épisode. Exact. Je suis en train de me demander. Ah, mais si on les fait fondre dans Ember, les Iron Ore, on peut avoir double lingot. Je le savais ça, c'est pour ça que je t'ai donné des minerais bruts. Je le savais aussi. Avec Cory, on savait tout ça bien sûr. Ah oui, hein, évidemment. Bah, en théorie, là j'ai tout bon, là faudrait qu'on se fasse un dragon, n'importe quoi. Un wizard. Faut arrêter avec ces dragons. Ouais, non, les dragons c'est bien. C'est, voilà, c'est dragon. Ah, parce qu'il te faut des têtes de wizard, c'est ça? Ah bah oui. Bah oui. On en a deux. Y'en a deux. Y'en a deux, et je peux t'en avoir un autre tout de suite. Ça lag. J'y suis pas là. C'est pas moi. Oui, ça. Ah, c'est probablement moi. En fait, il y a des Wither Skeleton Trophy. Et ces Wither Skeleton Trophy, quand ils sont posés, permet d'avoir des têtes de Wither en fait. Par contre, j'arrive pas à les choper du stockage. Pourquoi ? Pourquoi je peux pas les prendre ? Parce que tu sexes. Voilà, ils sont morts. Bon, j'ai qu'une tête de wizard jusqu'à présent. Pathétique. Bah, j'en ai deux, moi, sur moi. Hein. Ah, c'est bon, j'ai trouvé mes wizards. Fais des diamants. Qu'est-ce qu'il a jeté ? Ouh, j'ai mis plein de trucs dans le système de stockage. Désolé. Ah oui, c'est pour ça que je lag. Ok, non, en fait, là, il me dit que j'en ai 4, mais j'en ai pas 4, hein. Ils sont où? Ils sont par terre? C'est bon, ils sont par terre. Oh, ce lag de ouf! De rien. C'est bon, j'ai 4 têtes. Oh, le feu a réussi à se propager là-haut. J'avais même pas vu. Fuck, ça a dû foutre en l'air ma truc. D'où ils ont réussi à mettre du feu là, quoi? Je vais mettre les têtes dans le stockage. Je vous laisse battre le Wither Boss. Pendant que je prépare. J'ai peur. Moi, je sais pas faire. Ouais, mais t'avais couru, c'est bon. Je sais pas faire, moi.
Bon, elle est où ma Nether Star? Ta Nether Star? Ouais, j'en ai besoin d'une. Sinon, on n'a pas de stockage. Bah, j'ai mis de quoi faire des wizards. Et ok, donc tu veux que je le fasse, quoi? Bon, on le fait. Yes. Symétrique pour les hosts. Bon, il y a Wither Skull. Je le prends. On va se le faire. On va se le faire. Ah, le Wither. Ça fait de beaucoup de bruit. Le Wither. Moi, je me le fais en Elytra, le Wither. What? Où est-ce qu'il est parti, lui? Il a plein d'effets de potions. Ah, mais il se tape l'un l'autre. What the fuck? Non, c'est bon. C'est juste qu'ils poursuivent les mêmes cibles ensemble. Ah non, c'est toi. Vas-y, Emel, je te regarde. Je me prends mes propres flèches. Developer, developer, developer. Ils ont spawné des wizards. Des wizards. Vas-y, il y en a un au sol, là. Quand même, soyons raisonnables et prenons ça. Ça lag. C'est pas moi. C'est pas moi non plus cette fois. Mais laissez-moi les tuer. On a eu qu'une Nether Star, j'aurais pu en avoir deux avec vos bêtises là. On s'en fiche. Blabla. Aïe aïe. Je te vois passer en mode Super ML. Il est là pour défoncer les wizards. Désolé. Et voilà. C'est encore toi qui l'as tué. On a pas eu les deux têtes. Allez, deux. C'est pas grave. Ah, mais ok. Ah, mais voilà, j'ai envie de dire. Donc, du coup, on fait un beacon. Du coup, on fait un spectral machin bidule truc chouette. Yes. Ah, ou j'ai fait un peu. Et là, normalement, on a tout. On a tout. Faut qu'on retourne à la base. Ouais, on a tout. Hein. Monsieur Sama? Ouais. Ceci pour vous. What the feu? Je mets comment? Je mets où? Alors, le chargeur que je viens de te donner, tu le mets dans un bubble. Il a disparu. Ah non, il est là. Bubble. Coucou. Bubble, YouTube. Ah, et puis la télécommande, ok. Oui. Il est où, Edo? Il est là, tenez. Je vous présente mon nouveau moyen de locomotion. Tu t'appelles comment? Doobie, je vais l'appeler. Ah, mais Doobie ouais. Doobie Free. Ah, mais ouais. Donc, le chargeur que je t'ai donné, il faut que tu le laisses allumer. Et tu le mets dans un bubble. Dans un bubble? Un bubble tea. Oh. Excellent. C'est-à-dire un bubble. Ah c'est bah, des trucs, quand des rings et tout ça. T'as un anneau en haut à droite, c'est bubble. Ah. Moi, je le mets à côté du bouclier. D'accord. Et ça chargera automatiquement ton wireless crafting grid que je viens de crafter. Et en gros, ça, ça donne accès au stockage, qui pour l'instant est vide, mais je vais le remplir. Je vais vider... Il faut tout faire à la mano ou pas? Ah non, je vais mettre un câble, je vais faire ça à la mano. Ah oui. T'es fou, toi! Tu fais quoi, Edo? Je vais nourrir Doobie. Ah bah oui, hein. Attends. Ouais. ML. Oui. Faut tout transférer, les cons, non? Je suis en train. Tu es en train? Bon! Allez, on va passer de ça à ça. Voilà, c'est tout. Voilà. Voilà, là je vide le coffre. Ça va pas faire du lag? Non. Bah une fois que le coffre sera vidé, de toute façon, là normalement on fait plus du tout de lag en fin de compte quand on rentre dans notre simple storage. Nice. Enfin, on fait toujours un peu de lag parce qu'il y a toujours un gros coffre qui est connecté, mais le gros coffre, je vais le connecter en wifi. Oui, là je teste, là je prends plein d'items et puis hop, je dépose tout. Ah, c'est instantané! Et ça, c'est bien. Quel plaisir. Là, j'ai envie de dire carrément... Excellent. Enfin, c'est pas lent, enfin, c'est excellent. Enfin, oui. Je me comprends. Évidemment, il y a énormément de saloperies hein, dans notre système de stockage, hein, mais bon... C'est oui. C'est oui. Avec c'est totalement oui. Avec ce qu'on a installé, peu importe les saloperies les qu'on a. Oui, on, ça se stocke. On stocke toutes les saloperies. C'est nice. De bout en bout de la saison. Que des saloperies. On garde tout. Et comme dirait une blague un petit peu dégueulasse, ta mère est tellement radine que quand elle vomit, elle serre les dents. Pas mal. Oh, c'est un petit peu dégueulasse. C'est dégueulasse. Je sais pas si ça passera en épisode. Moi, j'en avais une, c'était... Ça ne passera pas. C'est à couper, à éviter et à retirer. Une, c'était à couper aussi, du coup. C'était ta mère est tellement grosse que quand elle met des talons, elle trouve du pétrole.
Oh. Voilà. C'est tellement pas mal, méchant. Pas mal. Mais c'est horrible, oui. Ce sera coupé aussi, hein. Vindict, garde-la pour toi, celle-là, c'est cadeau. Mais il est où mon dragon? Il a disparu. Je suis juste allé vite fait au resto, je suis revenu, il a disparu. Ah, le dragon, oui, il était là, je l'ai vu, et puis il a disparu aussi. What? Il était là? Bah ouais. What? Il est là, il est là. Il est près du Tipeee. Parce qu'il est en mode... Fou, là. Il fait yo-yo près du Tipeee. Oh, il est mignon. What the fuck? J'aime bien, il y a une corne qui lui a poussé tout sur le devant du crâne. C'est devenu une licorne. Bravo. Mais c'est marrant parce que tu lui donnais à bouffer, tu vois le dragon poup, 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 grandir, et puis d'un coup, poup, une corne sur le truc. Je pense que je vais le garder à cette taille-là, je vais pas le faire grandir plus. Yes, faut faire la nourriture spéciale pour empêcher de grandir, hein, par contre. Ouais. Il y en a encore pour plusieurs dizaines de minutes, je pense, pour vider le stockage. Ah, c'est à ce point-là. Ouais, ouais, ouais. On n'a pas... Quel est l'état des disquettes? Il y a déjà une disquette full plane, les autres, ça va. Ça devrait aller, en vrai, ça devrait aller. Mais ça demande pas mal de ressources. Okay, bah, il faut tester la télécommande dans une autre dimension, du coup. Là, ça marche pas tout de suite. Ah. Pourquoi? Parce que pour que ça fonctionne dans une autre dimension, il faut refaire un Infinite Wireless Transmitter, donc il faut refaire une Nether Star. Bon, on a déjà une Nether Star en plus, non? Oui. Et il faut qu'on installe un Network Transmitter et un Network Receiver, plus une carte. Et en fin de compte, tu peux installer ça où tu veux et dans n'importe quelle dimension. Bah, faisons-le, non? Bah, il faut attendre que ça se vide le stockage pour qu'on puisse avoir accès à tout, en fait. Ah, il s'est envolé avec son dragon. Regardez-le. Je voulais prendre mon dragon aussi, mais je pense que je l'ai mis dans le système de stockage. J'arrive pas à le retrouver. Ah. Ah, c'est une horn. Ah, je crois que je l'ai. C'est là? Attends, je vais te dire Give it to me. Alors, on va rester à ce niveau. C'est oui. J'ai mon dragon. D'ailleurs, voilà, techniquement, c'est toi qui le diriges là, parce que j'arrive même pas à monter dessus. Non, non, c'est bien. Oui. Oh, la taille. Tu as oublié à quel point j'avais un gros dragon. Moi, c'est un petit moustique à côté, quoi. Putain, la taille du truc, quoi. Attention derrière toi, Edo. Ah, y a sa maman. Suis-moi, fils. Attends, j'essaie d'atterrir sur les trucs d'atterrissage de la tour. Alors, comment dire, bon courage, hein. Le dragon fait 7 fois la taille de la tour. Et c'est parti. Alors, par contre, encore une fois, il manque du fer. Ah encore non, comme d'hab, quoi. Il y en a. J'en ai mis, ouais, du minerai. Pas assez. Si. Non. J'arrive pas à atterrir, donc alors, je vais... Il nous manque du quartz aussi. C'est bon, j'ai garé le dragon. Un mec qui fait des trucs et deux enfants, c'est moi, qui s'amuse plus tard. Je vais chercher le fer. Ça, c'est du quartz. Ça, c'est du quartz, man. Merci. Tiens. Merci. On a encore de quartz? C'est bon. J'ai ce qu'il me faut, merci. Mais je voulais un miner plus, donc je vais un miner plus. Donc pour ceux qui se demandent d'ailleurs comment ça marche, petite explication. Donc c'est comme Applied Energy Sticks, donc on a des drives. Donc c'est comme un disque dur, quoi. C'est des disques durs avec les blocs stockés. Ça permet de transférer de l'énergie à nos télécommandes via un item qui s'appelle Spectre Chargeur. Donc ça charge tout ce qu'on a qui requiert de l'énergie, quoi. De random things. On génère l'énergie avec les Spectre Coils, c'est des trucs qui génèrent un peu d'énergie, là. Et puis après, la télécommande est raccordée à ce truc-là via ce Infinite Wireless Transmitter ici. Donc on peut y accéder où on veut dans ce monde, mais là, ML est en train de faire le récepteur pour... Enfin, le transmetteur vers toutes les dimensions. Ah oui, parce que là, du coup, j'y ai pas accès, moi. Je peux pas prendre de torche. Ah bah non. Ah, je le savais. Il faut juste l'installer dans toutes les dimensions et c'est bon. Il a pété un boulon, ce pauvre Auré. Oh bah... Non, je pense qu'il est comme ça depuis sa naissance. Hein.
Alors il faut. C'est vrai. On va. Je vais mettre un transmetteur. Ah ouais non, il faut qu'on se fasse. Bon, je vais installer les transmetteurs, mais il faudra qu'on se fasse des Wither Boss pour pouvoir avoir accès justement à notre stockage dans d'autres dimensions. Ah, il faut quand même se faire de Wither. Ouais, parce qu'en fin de compte, il faut notre Infinite Wireless transmetteur si on veut y avoir accès partout dans la dimension. Ah, donc il faut que j'aille refaire des Wither. Tu peux en refaire. Ouais. Je reviens avec mes trois têtes. C'est une mamie. Maintenant, la question est, comment on peut tuer le Wither? Avec la dubstep pet. Il prend des dégâts? Je sais pas. Ça recharge pas, moi, en fait, depuis le début. Ah bah, ça veut dire que ton... ce que je t'ai donné, tu l'as pas chargé? Chargé. Bah, normalement, il est allumé. Je suppose. Est-ce que le cercle bleu au milieu, il est bleu fluorescent? Oui. Ah bah normalement, il est censé charger. Il doit être dans les bubbles, forcément? Pas forcément, non. Mais moi, je l'ai mis dans les bubbles. Non, le bloc de charge des specs sont individuels. Ça marche pas. Est-ce qu'il serait pas lié au truc? Ah, c'est peut-être lié à ma personne. Ah. Oui, c'est individuel, comme je te dis. C'est moi hein, qui ai bah trouvé oui, ça. Oui, on hein. te l'avait dit, ML. Ok, donc si c'est relié... à l'individuel, ça veut dire que ce petit truc là que j'ai posé, il en faut deux autres, donc il faut deux autres Wither. Bon. T'as deux têtes? J'en ai une troisième. Ah, j'en ai une quatrième. Ça sert à rien alors. Non. Comment ça sert à rien? Ta tête si sert tu me laisses, à rien, ML. Si, oh si tu me laisses le tuer, j'en fais deux, et puis comme ça, on a chacun notre Spectre machin. Hein. Ah oui, hein? Ah oui? Ah oui, hein? Ah ouais, tiens. Il faut me le laisser le tu tuer. Tu regardes le tuer, alors. Mais tu dois le tuer d'une manière épique. Épique? Edo, viens aussi, on va regarder ML se démerder à faire quelque chose d'épique. Je le fais spawner dans le manoir, voilà. Bonjour. Bonjour. Sunshot de Koba, ça va péter. Ah, bah je suis tombé à l'étage inférieur. Attends, j'aimerais lui tirer un real gun dessus pour voir si ça lui fait des dégâts en vrai. Ah, ça lui fait des dégâts. Ça a tué les Wither Skelets qu'il a spawné par contre, donc ça va. Ouais. Il fait mal ça non? Pourquoi du tout, vous êtes au-dessus. Ah, c'est toi qui lui tire des flèches, ok. Vas-y ML. Il est où il est là? Mais là il peut remonter. C'est un combat difficile. Qu'est-ce que, oh il est tombé. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Ah oui il a un truc qui gèle. Il est où? Il est mort? Ah désolé. Bah non. Normalement non. Bah normalement si. Ah bah, si il est mort mais... Qui l'a tué du coup? Qui? Qui l'a tué? J'ai pas la Nether Star. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci pour le sub, Sens. Pas le truc pour attirer les items pour voir? Ah mais moi j'ai le truc qui attire les items directement, hein, mais depuis tout à l'heure je trouve pas la Nether Star. Ouais, mais pourtant il y a des loot plutôt haut niveau, on dirait, qui ont spawné, non? Genre il y a un Heart of Gold et tout, donc ça a dû finir quelque part. Ah c'est ouais. Dingue, hein. Ah c'est Edo qui l'a, c'est Edo qui l'a. C'est Edo qui l'a. La façon dont il l'a dit. Du coup, c'est toi qui l'as tué. Complètement dingue, hein, ce qui se passe. Bon, on se retrouve à la maison, puis on fait ça à la maison, les trading, tout ça, là. Oui. Ah. Tu vois les rayons passer? Ouais, je les vois. Skive. Voilà. On va les poser, j'en mets un là, et vous les mettez côte à côte. Parfait. Du coup, je vais mettre ça. Voilà. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais c'est stylé. On peut mettre ça comme ça. Et comme ça. Voilà. Et donc, normalement, maintenant, on a chacun la possibilité de... Nos télécommandes sont rechargées maintenant. Nice. Allez, danse, Edo, danse.
peut-être faire ça, je vais peut-être me foutre directement ça dans le stockage. Pas moi. Salut. Ou plutôt que d'avoir ça ici. On peut pas les virer, ces gars là de ma cuisine, ils sont insupportables. Oh, je comprends pas de quoi tu parles, ils sont géniaux, hein les gars. Ouais, développe. Wow. Et te demande de développer une nouvelle recette, c'est tout. Il y a l'autre qui gueule. Oh, mais j'adore ces gars, moi. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode des Aventuriers. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour un prochain épisode. Je vous dis salut à tous. Texama. Et abonnez-vous à Texama. Texama. Oui, au revoir. Bisous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Texama. Amen. Tatek.